Coucou les filles, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau nail art très estival puisque j'ai dessiné des palmiers sur un coucher de soleil. Donc j'ai commencé par poser un vernis de la marque Cupcake Polish qui est vraiment sublime, il s'agit de Bloodhound. Je l'ai acheté il y a des mois et je ne l'avais pas encore posé, donc j'étais ravie de le tester. Donc j'ai ensuite ajouté une couche de top coat, j'ai bien laissé sécher et j'ai poncé la surface du top coat pour que la peinture acrylique puisse bien accrocher. J'ai ensuite pris plusieurs couleurs de peinture acrylique, donc du violet, du bordeaux, du orange, du jaune et du blanc, et je pose des couches de peinture de la plus foncée à la plus claire, et ensuite je repars en sens inverse pour commencer à réaliser le coucher de soleil. Donc comme vous pouvez le voir au début, ça ne ressemble à rien du tout, mais ne vous inquiétez pas, on va affiner tout ça. Donc je reprends mes peintures acryliques pour une deuxième couche et là je commence vraiment à fondre les couleurs, donc je vous laisse regarder. J'ajoute un peu de lumière avec de la peinture jaune et blanche au centre de mon ongle pour vraiment donner un peu plus de reflet à ce coucher de soleil. Il ne faut pas qu'il soit trop sombre non plus, puisqu'ensuite on va peindre avec de la peinture acrylique noire. Donc comme vous le voyez, je n'hésite pas à passer plusieurs fois, à remélanger les peintures, à remodifier ce qui ne me plaît pas. C'est l'avantage de la peinture acrylique, c'est qu'on peut toujours modifier. Une fois que mon coucher de soleil est terminé, je prends de la peinture acrylique noire et je dessine mes palmiers. Alors pour les palmiers, il faut toujours réaliser des branches légèrement arrondies, surtout pas droites, sinon ce ne sera pas joli. Et ensuite, je fais des petits traits pour réaliser les feuilles. Je place donc un deuxième palmier, donc avec moins de détails puisqu'il est tout petit. Et ensuite, un troisième de l'autre côté, donc plus grand, à peu près de la même taille que le premier. Il ne me reste plus qu'à poser une bonne couche de top coat pour protéger mon nail art. Ici, il s'agit du Mavala Quick Dry, un vernis qui sèche extrêmement vite, qui ne fait pas rétracter le vernis et qui a une très très belle brillance. Donc voilà, la vidéo est déjà terminée. J'espère que ce nail art vous aura plu et je vous retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. À bientôt!